Cécile Degenier, cette semaine, la Belgique a joué contre Portugal. Comment vous avez vécu le match? Avec comme tout le monde l'a vu, une première mi-temps assez difficile. Où le Portugal n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on n'était pas très bien en place. Ça manquait un peu de, pas d'envie, mais de caractère et d'organisation sans doute. Et puis voilà, je pense que le coach a fait deux changements à la mi-temps qui ici aujourd'hui sont montrés payants. Donc c'est bien. C'était une grosse deuxième mi-temps. Je pense que le niveau était vraiment haut. Donc si on prend cette mi-temps comme référence pour le reste de la campagne, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose ici en février et puis pour le reste quoi. Donc voilà, on est presque à la moitié des matchs. Je crois que si on essaye d'avoir ce niveau-là et d'avoir cette référence-là, on peut faire des choses, on peut faire quelque chose. Jusqu'à maintenant, vous avez 9 sur 12, donc il y a seulement une défaite contre la Norvège. Est-ce que c'est vraiment l'équipe qui est le plus fort dans ce groupe? On verra les Pays-Bas, on n'a pas encore vu ici, mais logiquement, elles sont finalistes de l'Euro, donc c'est pas n'importe qui non plus. Ici, on a commis des erreurs aussi, des grosses erreurs tactiques et puis peut-être aussi physiques, on a un peu péché sur la physique, mais je pense que c'est l'équipe la plus forte, pour l'instant en tout cas. Et puis on verra, une campagne c'est long, à nous de progresser encore physiquement et d'appliquer les consignes et de rester bien en place tactiquement. Et puis on verra si au match retour avec le public qui est de plus en plus présent, on peut faire quelque chose peut-être contre la Norvège. Mais d'abord ici un peu les clubs et puis les Pays-Bas, ce sera peut-être le match le plus important aussi. Oui. Le Pays-Bas, ce match sera sur terrain synthétique normalement. On essaie de jouer à Volendam ou Roosendaal, peut-être, on a dit. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Je pense que ça ne change pas grand-chose. On peut dire ce qu'on veut. Les Pays-Bas ne sont pas non plus habitués à jouer sur des terrains synthétiques. À nous de préparer ça le mieux possible et d'essayer d'imposer notre jeu et pas de subir le jeu des Pays-Bas. Parce qu'à partir du moment où elles ont la balle, ce qui sera sans doute probable, parce que c'est une équipe qui aime bien avoir la balle dans les pieds, si on arrive à imposer un peu notre jeu et notre physique, je pense qu'il faut juste y croire. La différence entre les Pays-Bas et nous, la principale différence, c'est la mentalité pour l'instant. Elles croient en leur capacité, nous pas encore. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est à nous de jouer, quoi. Mais c'est pour le mois de février normalement. Avant ça, il y a encore beaucoup de matchs. D'abord, Standard joue mardi prochain à Heerenveen, en Friesland. Là, vous allez déjà rencontrer Miedema, la buteuse. Ouais, écoutez, moi je l'ai vu jouer une demi-heure à OHL. Heerenveen n'était vraiment pas bon, mais c'est la seule qui sortait un peu du lot. On voit ici qu'elle est en confiance. Elle a marqué 4 goals, je crois, en 2 matchs. Ouais. Donc voilà, après, on a l'équipe pour contrer Heerenveen, je pense. On est en place. On a à nous de physiquement répondre présent. Et je pense que on devrait être meilleur. Mais oui, effectivement, le plus gros danger, c'est sans doute leur attaquante. À nous de la cadrer. Je pense qu'elle sait tout faire, donc il va falloir jouer avec et essayer de jouer notre jeu et de garder la balle et partir en contre s'il y a des espaces. Je veux dire, on a Tessa Wullaert, c'est aussi l'attaquante de l'équipe nationale. On a Aline Zeller, elle vient aussi de marquer 4 goals ou 5 goals même en 2 matchs. Donc je pense qu'on a du répondant et à nous d'essayer de pouvoir développer notre jeu et de marquer ces goals qui sont importants et d'essayer de pas en prendre de l'autre côté. Ouais. Oui. Et puis après, il y a encore Anvers à la maison et puis le match contre Anderlecht. Qu'est-ce que ça représente encore pour vous, Standard Anderlecht? D'abord Heerenveen et puis après on verra. Après on commence un peu la deuxième partie de notre championnat en fait, parce que vu le tirage au sort un peu, on a joué toutes les équipes hollandaises, donc maintenant. On commence le championnat de Belgique. Contre Anderlecht, ça va être particulier parce qu'il y a beaucoup de jeunes du Standard qui sont partis là. Donc ça va être sympa, c'est des retrouvailles aussi sympas. Pour nous, c'est un match comme les autres. Je pense qu'ici, le plus gros match, ça va être Heerenveen, ici maintenant. Et puis à nous de passer tous les obstacles belges qui sont, je pense, sans manquer de respect aux autres équipes, à notre portée, quoi. Et puis il y avait encore récemment, vous avez joué Champions League, Glasgow. Comment ça s'est passé là-bas? On a eu du mal à rentrer dans notre match. Il faut se dire ce qu'il y a. Elles étaient meilleures.
Je pense que déjà à domicile c'était meilleur, mais avec le public qui était là et le caractère qu'on avait, je pense que voilà, on a fait quelque chose. On a joué sur un synthétique, un vieille génération, c'était aussi pas évident parce que c'est pas des conditions de Champions League non plus. Mais voilà, on a bien réagi en deuxième mi-temps, on a mis un goal, on a sauvé l'honneur et puis c'est dommage parce que je pense qu'il y avait quelque chose de mieux à faire. Mais on a une première mi-temps trop difficile pour pouvoir répondre correctement. Donc voilà, c'est mérité, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ok. Bonne chance pour la suite. Merci.